paix, bon Dieu, avec nous. À tout auditeur qui branchait pour la première fois sous vue prophétique de la Bible, non moins c'est Yvan Augustin qui prend le passé un temps précieux avec nous et moi souhaiter nous une cordiale bienvenue sous Chanel Sar. Après deux dernières études, nous sommes fait avec nous sur route nationale Canaran Céleste, moi senti que l'innécessaire moi ajouter un autre sujet encore pour compléter série études ça yo. Et titre sujet jeudi, c'est préparez-vous à rencontrer votre Dieu. Préparez-nous pour rencontrer Dieu nous dans voyage nous sur route Canaran Céleste là. C'est un sujet qui méritait un pile attention. Un sujet qui est très important. Mais bien avant de commencer, pas oublier s'il vous plaît, si Dieu bénit ou sous Chanel Vue Prophétique de la Bible, sans aucune hésitation, partagez bénédiction sa yo à toutes amis, familles et même ennemis qui besoin connaît amour bon Dieu gagne pour yo et plein li pour sauver yo. Moi-même avec vous, ensemble, nous capables de porter le message de l'évangile éternel de Dieu tout côté gagné haïtien à travers le monde. C'est un message urgent, Dieu confie l'Église, le peuple qui vive dans le temps de la fin. Éternel notre Dieu, merci pour parole qui gagne puissance pour sauver cœur chaque auditeur qui branché jeudi sous vue prophétique de la Bible. Nous prions pour remplir cœur nous de la puissance du Saint-Esprit qui source de lumière. Nous besoin d'un moment ça pour enseigner nous, guider nous et porter nous comprendre le message ou gagner jeudi pour nous dans la parole. Nous prions comme ça, dans nos Jésus. Amen. Dans la dernière étude, nous fait sur la nationale Canaran Céleste, nous avons découvert les signes qui étaient pour nous arriver à notre destination. Ces signes qui ne pas du tout trop loin de nous. Actuellement, nous avons voyagé rapidement à travers période jugement investigatif de Dieu qui a déroulé dans le lieu très saint sanctuaire céleste là. Côté peuple bon Dieu gagné Jésus, Dieu créateur yo, souverain sacrificateur et avocat qui a intercédé pour yo dans le tribunal céleste là. Et puis il a traversé tout avec vitesse. Tant prophétique Dieu t'a prédit dans Apocalypse chapitre 13. Pays États-Unis joué dans l'histoire de l'Église qui est dans le monde là. Pour tout chrétien qui a voyagé dans la lumière, vérité, parole de Dieu, c'est avec un peu d'excitation qu'on a observé avec yeux nous, Jean pays États-Unis a changé chaque jour au point de vue gouvernemental, culturel, social et religieux. Nous connaissons côté nouillé. Dans le voyage, nous connaissons qui signe qui était pour nous arriver dans la destination. Par conséquent, nous devons reconnaître que c'est depuis qu'on est là, nous besoin préparer nous pour nous capables de rencontrer Papa nous. Et petit Jésus-Christ qui est venu chercher nous sous terre hein, pour dernier vol avion qui a mené nous dans la cité céleste.
Donc, préparation pour rencontrer Dieu, Créateur, Seigneur et Sauveur, nous, c'est un sujet qui est très important. Nous allons passer quelques temps à étudier profondément, je dirais. Pour commencer, question que tu as posée, c'est qui ça nous t'a fait, quel que soit côté où on vit dans le monde, là, si vous recevez une lettre d'invitation anniversaire de naissance président pays États-Unis. Joue ça, il voulait rencontrer vous personnellement pour lui faire un petit causer avec vous. Comment vous t'avez senti quand vous recevez une invitation comme ça? Est-ce que vous t'avez partagé joie ou avec des amis et tout le monde qui est autour de vous? Est-ce que vous pensez une invitation pareille ou accepté avec contentement, demander une certaine préparation? Si la réponse là c'est oui, à mesure jour anniversaire ça pas avancé, c'est possible ou tu as créé temps pour acheter un rad ou un costume tout neuf, de même qu'un soulier pour faire belle quand grand jour s'arrive pour rencontrer le président. Dans le plan préparation, c'est encore possible ou tu as mis le temps dans l'horaire pour aller dans un coiffeur pour faire cheveux, temps pour acheter un beau parfum qui sentit bon et un petit cadeau pour porter pour président leur pral dans fête là. Pour qui ça nous pensait préparation ça très nécessaire? Eh bien, c'est parce que vous pral rencontrer n'importe qui, ou pral rencontrer président des États-Unis qui est un homme très connu et respecté à travers le monde. Dans la Bible, dans le livre Exode, il racontait l'histoire d'un Dieu qui créait le monde là, et vaste univers et tout ça qu'il a donné. Il a utilisé Moïse pour lui sauver le peuple Israël qui était esclave dans le pays d'Égypte pendant une période de 400 années, d'une manière spectaculaire et extraordinaire. Peuple Israël, jour délivrance sa yo, te gagné opportunité pour yo voir avec yeux yo grand des bon Dieu et amour li gagné pour yo. Yo témoin, j'ai Dieu ouvrir la mer rouge pour lui faire yo traverser sous tes sèches. Et puis yo témoin, j'ai détruit vaste armée pharaon roi d'Égypte qui t'a suivi yo nan même la messa. Après yo délivré, peuple a passé un bon temps à fêter avec un pile joie et ont même composé chant louange pour bon Dieu qui libérait. Quelques temps plus tard, quand dans cela finit, tout bagaille calme, yon jour aujourd'hui, yon prend nouvelle pour yon préparer pour yon rencontrer grand Dieu ça qui t'est délivré dans pied montagne de Sinaï. Bonne nouvelle, jour rencontre ça écrit dans Exode 19, versets 9 à 11. Parole de Dieu dit, et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Wow! Nous évitons ça, nous noter l'Éternel dit dans 3 jours pour venir rencontrer pour faire un petit causer avec eux. Moïse, nouvelle, Jean peuple doit préparer pour jouer rencontre ça quand il descend dans le ciel sous montagne Sinaï. On parle ici d'une rencontre intime, une rencontre personnelle avec Dieu. Dieu dit Moïse,
la couvri gloire li avec yon nuit épais pour yon pas détruit. Et puis, la diyo loi d'amour li, commandement li et précepte li pour yon obéir. La fait yon connaît combien li remè yon, désir li pour que li habite nan mitan yon et plein de salut li prépare pour yon. Capable d'accord avec moi, chers auditeurs. Tant personnel, ça, peuple Israël, prend le passé avec Dieu, mandé vraiment une certaine préparation. Préparation, ça, Dieu dit peuple pour y faire gagner deux parties là-dedans. Premier, c'est pour y sanctifier pendant deux jours. Et deuxièmement, c'est pour y laver radiamment pour venir rencontrer l'Éternel. Dieu dit Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain qu'ils lavent leurs vêtements. Mot sanctifier dans le verset, ça signifie, premièrement, rendre quelqu'un saint, le mettre en état de grâce. Deuxièmement, littéralement, il voulait dire attribuer à quelque chose un caractère sacré, noble, exceptionnel, le placer au-dessus de tout. Nous comprenons ici, peuple doit passer deux jours à prier pour chercher grâce, bon Dieu, et faveur, bon Dieu. Voilà comment il est capable d'arriver sanctifié. Radiat metesuyo, c'est un rad qui doit propre. Parce que rad propre représentait la justice de Christ qui couvrit eux. En d'autres mots, quand le peuple en lavait radio, ça démontrait. Ils comprennent Dieu, ça y est, Dieu ça y est, rencontrer, hein, c'est un Dieu qui est saint. Pour y rencontrer, ils même tout doué saint. Troisième bagaille, Moïse dit, ils pour y pas faire. C'est pendant deux jours ça yo pour yo éviter entrer dans contact sexuel avec Mario, madame yo. Ça pas du tout voulait dire que activité sexuelle c'est un bagage qui pas pur. Mais bon, mais Moïse voulait comprendre alors que il a spirituellement préparé pour yo rencontrer Dieu. Yo doit éviter toute indulgence ou toute sorte d'excuses personnelles qui est capable détourner cœur yo, esprit yo de Dieu. Donc leçon nous tire ici c'est que pour rencontrer Dieu nécessité une préparation personnelle spirituelle. Nous devons chercher Dieu avec un cœur et un esprit qui n'est pas divisé. Nous ne devons pas du tout permettre quoi que ce soit, même quand il est béni ou merveilleux, un péché pour nous préparer pour tendre voir bon Dieu. Apôtre Jacques a laissé écrire quelques informations très intéressantes de gens nous capables de préparer nous pour nous rencontrer bon Dieu. Notez ça, il dit dans le texte. Il écrit dans Jacques, chapitre 4, versets 8 à 10. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Dans verset Sayo, Jacques mentionnait quatre bagages nous besoin faire. Quatre bagages Sayo, c'est premièrement nettoyer nous. Qui signifie suspendre péché ou suspendre transgresser loi bon Dieu. Deuxièmement, purifier cœur nous, qui porte nous comprendre que cœur c'est là où avoir tout sentiment et toute attitude qui bien ou mal. Dans Proverbe chapitre 4 verset 23, parole bon Dieu dit garde ton cœur plus que toute autre chose
car de lui viennent les sources de la vie. Dans Matthieu chapitre 15, verset 19, Jésus tout quitté déclara ceci. Il dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les meurtriers, les impudicités, les vols, les témoignages, les calomnies. C'est cœur ça qui besoin purifier pour que nous capables, ouais, bon Dieu. Matthieu chapitre 5 verset 8 dit: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Troisièmement, c'est pour nous gagner la peine, pour nous crier, plaignez-nous, sonnez-nous à Dieu. Qui veut dire pour nous prendre péché très très sérieux, pour nous comprendre ces péchés nous qui clouerait Jésus, petit bon Dieu, soyons croix pour les capables de sauver nous. Quatrièmement, descendons très bas devant mon Dieu. C'est attitude ça qui mène nous dans le cœur problème nous et porte nous comprendre pour que nous en règle avec Dieu exiger humilité. Chers auditeurs, c'est clair. Peuple Israël, pas capable de rencontrer Dieu n'importe Jean Yovelet. Rencontrer mon Dieu, demander une certaine préparation. Parole bon Dieu dit dans Hébreux chapitre 12, verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Cherchez grâce, mon Dieu, lavez. Purifier cœur nous, gagner la paix avec tout prochain. C'est point élément clé. Nous jouons notre texte yo, pour une réelle préparation pour rencontrer notre Dieu Tout-Puissant. Maintenant, jour sans peuple Israël, tu allais rencontrer Dieu Créateur, yo, Sauveur. Yo. Notez dans quelques versets, ça yo dit nous qui t'est arrivé jour ça. Dans Exode chapitre 19, versets 16 à 19, parole de Dieu dit: le troisième jour, au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Et il se plaçait au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait, et Dieu lui répondait à haute voix. Ça, c'est une merveille. Yo dit nous dans le texte ça, quand Dieu descend sous montagne, il y a un pile coup l'orage. L'orage qui gronde. Peuple en ouais coup d'éclair qui fait. Yo entend des trompettes qui sonnaient très fort. Yo a montagne Sinaï remplie avec la fumée. Et yo a Dieu qui descend. Dans le temps, y a un gros boucan du feu qui chaud. Tant qu'il y a une fournaise. Et puis, il rapporté tout le montagne a été tremblé avec violence. Témoin dit nous, ça c'est juste. Ils ont aperçu de sa caprivée quand Christ vient chercher l'église sur terre. Nous capable d'accord avec moi, mes amis. Si peuple Israël, tu as besoin de préparer pour rencontrer Dieu, combien plus? Nous-mêmes tout, depuis qu'on est là, besoin préparer nous pour aller passer éternité avec Dieu. Mais ça, la Bible dit qu'après, les Christ a retourné qui mende une réelle préparation. Dans 2 Pierre 3, verset 10, parole de Dieu dit: le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas.
les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Il y a un deuxième texte très intéressant de l'Écriture à Protonais, c'est Apocalypse chapitre 6, versets 14 à 17 qui dit « Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister ?» Le passage ça, il a révélé nous une série de monde qui pas préparé pour yo rencontrer Jésus et j'ai à comporter yo ça parmi yo. Yo classé monde qui a dirigé nation yo tant que président, roi, premier ministre. Ensuite chef militaire qui mettait confiance yo dans zam, yo gagné dans main yo. Yo classé tout monde qui riche. Ça yo qui grenèg qui mettait confiance yo dans richesse yo dans bien yo possédé et yo classé masse population en tout qui sous terre qui pas non plus mettait vie dans Jésus c'est moun sa yo qui pas préparé yo dit nous cal caché dans trou roche et derrière gros roche dans mon yo quand yo est Jésus qui vini dans toute gloire sous terre. Nous devons faire tout effort nous, pour que nous pas du tout dans la catégorie Mounsayo. Et puis, remarquez, il y a une grosse question qui est posée dans le texte qui a attiré ton attention. Nous. Question qui est posée en 10 dans verset 17. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? Traduction bicréole dit. Parce que gros jour arrivé, qui moun ki ka kebe tête avec lui? Voilà, depuis gen yon question qui pose nan Bible, s'il vous plaît, toujours chercher réponse lan tout nan Bible. Pas essayer venir avec propre opinion nous. N'a parlé ici de yon question de vie ou de mort. Question sa pose avec toute réponse li nan différentes manières. Dans plusieurs passages de la parole de Dieu. Par exemple, dans Psaume 24, verset 3, gros question ça a posé comme ça. Roi David écrit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Réponse là écrit dans verset 24. Texte a dit, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne joue pas pour tromper. C'est clair. Même j'ai avec le peuple Israël, pour y monter dans le ciel, pour y aller dans un lieu très saint côté Dieu habité, demander une certaine préparation et qualification. Le compte ça pour nous-mêmes chrétiens à faire Jésus-Christ à retourner, vite chercher l'église sous terre. Moun kap leve et monte dans ciel là avec Christ, yo di nou nan texte, c'est moun qui pas fait an yè ki mal. Moun qui pas gen mauvaise idée dans tête yo. C'est moun qui pas nan bay menti. Moun qui pas nan fait semen pour tromper moun. Et enfin moun qui gagne yon cœur pur. En d'autres mots, moun kap monte avec Christ. C'est moun qui purifie cœur yo nan sang Jésus et qui couvre avec race bon Dieu. Moun qui suspend péché et qui garde commandement bon Dieu. C'est moun sa yo qui monte dans lieu saint côté bon Dieu habité. Yon deuxième texte côté gros question sa pose avec toute réponse li, c'est Somme 15. Dans 5 versets qui composent Somme sa, roi David écrit.
ô Éternel, qui séjournerait dans ta tente, qui demeurerait sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable. Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Non peu de mots. Moun qui pral vivre avec bon Dieu dans le ciel, là, jour Christ retenait, c'est moun qui a gardé 10 lois d'amour, bon Dieu, yo, qui résumé dans le commandement sa yo, qui écrit dans Matthieu 22, verset 37 à 39. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Apocalypse chapitre 14, verset 12, décrit tout bon Dieu qui prend rencontrer Jésus, les venu chercher au sous terre, hein? Ces chrétiens qui ont persévéré, gardé commandement bon Dieu yo, et qui kembe foi yo dans Jésus. Texte a dit, c'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Il y a un texte très intéressant qui révèle qui sort du monde, qui prend à camper devant le trône de Dieu dans le ciel. Hein? C'est Apocalypse chapitre 7, verset 13 à 14. Notre texte, hein? Apôtre Jean écrit, « Et l'un des anciens répondit, me disant, « Ceci, qui sont vêtus de longues robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Et je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Et celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim et ils n'auront plus soif. Et le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur, parce que l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux fontaines des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Nous gagnons devant nous un full moon qui campait devant le trône de Dieu dans le ciel là, qui ont un indicateur, ils étaient bien préparés pour y rencontrer Dieu. Il y a une préparation qui tout mentionné dans le livre Exode. C'est que Jean dit li ouais robe sale yo te gagné sou yo qui représentait péché yo iniquité yo radio lavé nan sang Jésus. Mais comment robe sale qui te sou yo a vini yon robe tout blanche qui symbolisait grâce et la justice de Christ qui couvre yo. Tout le monde qui prend rencontrer bon Dieu besoin yon rad comme ça. Yon besoin laver rad sale péché yo nan sang Christ. Témoin dit nous, Dieu mette machine à laver ça gratis pour nous. Li dit dans Esaïe chapitre 1er verset 18. Venez et plaidons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils seront comme la laine.
Nous comprenons très bien pour qui raison le peuple Israël a besoin de préparer pour y aller rencontrer Dieu. Il a venu rencontrer un Dieu qui est tout puissant, un Dieu qui sait. Et quand il était dans le pied montagne, il y a l'Éternel qui descend dans un boucan du feu, et puis la terre t'est tremblée en bas pied. C'est comme ça qu'il apprend encore une autre leçon. Le seul à apprendre, c'est que vous devez venir devant Dieu avec vénération. C'est-à-dire avec un cœur qui est mélangé avec crainte. Un cœur qui a un respect très profond pour bon Dieu. Vous devez venir avec un sentiment de piété, adoration. Dieu dit Moïse dans Exode 19, verset 12. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Limite ça, Dieu bat le peuple, hein, doit porter au comprendre que Dieu pas même gens avec eux. Dieu pas n'importe qui. Et pour eux pas venir tout près de lui avec une pensée qui bat. Les avenis adorer Dieu. Ils doivent suivre exactement ce que Dieu dit au plus haut fait. Nous pouvons prendre comme exemple Jean Moïse qui a rencontré Dieu pour la première fois sous montagne ça. La Bible dit dans Exode 3, versets 3 à 6. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse! Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Dieu dit Moïse dans le texte pour lui retirer les souliers qui sont dans le pied. Parce que côté le camp et qu'on est là, c'est un lieu qui est saint. C'est sa Bible laissée, nous-mêmes tout connaît quand Dieu, l'Esprit Saint, vient habiter dans nous. Quand ça arrivait, quand nous vivons un lieu saint. Pour nous rencontrer Dieu, nous besoin toujours prendre soin du corps. Nous-mêmes, Jean, Dieu t'est passé sacrificateur au Lord pour nous prendre soin de l'Éternel. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 et 17, Paul écrit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Pour nous, je point adorer Dieu avec un pile respect extrêmement important. Notez comment il décrit pour nous un jour qui dans le ciel a adoré Dieu. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 4, versets 8 à 11. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Que les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jetèrent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Dieu, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé
toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Permets-moi de lire pour nous tous un commentaire à l'esprit de la prophétie. Nous joignons dans le livre Conseil à l'économe, page 201. Sir White écrit: quand les adorateurs de Dieu pénètrent dans le lieu de culte, ils devraient le faire avec dignité, se rendant tranquillement à leur place. Le bavardage, les murmures et le rire ne devraient pas être admis dans le lieu de culte, que ce soit avant ou après le service. Une piété fervente et active devrait caractériser les fidèles. Si certains doivent attendre quelques minutes avant que la réunion commence, qu'ils observent un véritable esprit de dévotion par la méditation silencieuse, élevant leur cœur vers Dieu par la prière, afin que le service apporte une bénédiction spéciale à leur propre cœur, convaincre d'autres âmes et les âmes à la conversion. Ils devraient se souvenir que les messagers célestes sont présents. Nous perdons beaucoup de la douce communion avec Dieu par notre agitation, notre négligence de la méditation et de la prière. Il faut que l'esprit soit préparé à entendre la parole divine, afin qu'elle puisse être comprise et qu'elle impressionne le cœur à salut. Ça nous sort lire ici dans le texte sacré. Il est basé de sa parole, mon Dieu, révélée dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Il témoigne, dit-nous sincèrement, par observation. L'église moyenne qui pratiquait en révérence comme ça, c'est l'église catholique et religion musulmane. Côté moyen visité, Tapio. Pour le temple musulman, tout le monde qui a entré doit retirer souliers dans le pied. Et un dernier point, nous joignons dans l'histoire du peuple Israël, après la rencontre de Dieu, c'est que il y a besoin d'un intercesseur, d'un médiateur, d'un avocat. Médiateur, c'était Moïse et Aaron. Dans Exode chapitre 19, verset 24, Dieu dit Moïse: va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron, mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de mort. C'est par Moïse que Dieu transmet tout message lié pour le peuple, excepté les 10 commandements. C'est Dieu qui transmet 10 commandements, bouche, à peuple israélien. Et puis, il écrit avec droite sous deux tables de pierre. C'est vérité. On en a vive sous terre. Seul médiateur, parole bon Dieu, dit nous gagnons entre Dieu, notre tabernacle céleste, c'est Jésus-Christ. Paul écrit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5: car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. En d'autres mots, si on m'en a prié ou passé par Saint-Pierre pour monter prière vers Dieu, lui fait yon péché, Bible bay non, idolâtrie. Quand il agit comme ça, veut dire, il rejette Christ. Il choisit yon autre individu comme médiateur avec pensée que Dieu après pour une prière, il est plus vite, plus rapide que Jésus. C'est toujours même péché ça tout, yon moun commet s'il est passé par Marie. Dieu t'a utilisé pour porter petit Jésus quand il t'a né sur terre.
pas aucun côté dans la Bible hein, où il y a un disciple qui a l'air à prier, qui a prié dans le mari. D'après ça, Christ dit, c'est que tout ça, il y a besoin, il doit demander Dieu le Père dans nous. Ce n'est pas moyen sans seulement prier à exaucer. Mais quelques textes bibliques qui portent lumière sur point ça. Jésus dit disciples dans Jean 14, versets 13 à 14. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Dans Jean chapitre 15, verset 16, elle dit encore, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Il y a un troisième texte, c'est Jean chapitre 16, versets 23 à 24. Dans le verset ça, Christ dit, « En ce jour-là, vous ne m'interrogez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Moi, quoi, c'est clair, nous n'avons pas besoin de passer par Marie, ni Saint-Pierre, ni Saint-Jacques, ni Saint-Paul, non plus Saint-Antoine ou Saint-Gabriel, pour nous prier Dieu. Nous ne devons pas personne, gloire, honneur, bon Dieu seul mérité. Dieu, c'est un Dieu qui est très jaloux quand nous tombons adorer faux Dieu. Dieu dit dans Isaïe 42, verset 8, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni ma louange à des images taillées. » Quand on a prié, mes amis, priez dans nos Jésus. Nos Jésus gagne puissance, gagne force pour transformer vie nous et mener nous tout près de Dieu. Gagnons-le, mon père du travail, moi, dans un temps qui était très difficile. C'est notre temps, ça a magité fait un strou. Il a besoin d'assurance santé pour aider le payer, bill, docteur, et quand aller dans l'hôpital. C'était une époque, nous gagnons caille, nous fait acheter qui besoin payer chaque mois. Petite, qui dans l'école privée, besoin de tout l'argent pour qu'elle l'école là. Dans le pays États-Unis, il y a un père et mère de famille pas capable de vivre sans travail. Qui côté nous penser m'aller pour que Dieu soit capable d'aider? Eh bien, m'aller dans le nom de Jésus pour parler avec l'Éternel. Moi, mettez devant Dieu problème moi. Et moi, m'en dis aide avec une promesse. Moi, dis-le Seigneur, si vous répondez prière moi dans le nom de Jésus, ma baou, comme deux premières semaines de travail, ça, que au bas moins. Même jour soir, ça, n'ayons rêve, Dieu révèle la ban moyen travail. Dieu t'y kembe promesse. C'est notre travail, ça, jusqu'à maintenant, moyen pendant 22 ans. C'est moi qui manager département électronique dans la compagnie, ça, pendant 6 à 9 années. Dieu répond à prier moi, non, non, Jésus, et moi-même, qu'est-ce que promesse moi, à bon Dieu. Non, non, Jésus, chers auditeurs, gagnez puissance. Est-ce que nous comprenons très bien combien non, Jésus, gagne puissance? Combien de fois nous dit, quand vie nous menace, Jésus, sauve-moi! Et puis, il sauve où? Dans le péché. Témoignage, ça y est, c'est expérience personnellement avec Dieu. Il fait partie de développement, relation spirituelle avec lui. Nous-mêmes, tout,
pour nous rencontrer Dieu, besoin de développer par la foi pour relationner avec Dieu. Nous joignons notre message, le prophète Amos qui était pour le peuple Israël, préparé pour rencontrer Messie, hein? Jésus, petit bon Dieu qui t'a venu visiter sur terre sous forme humaine. Mais ça tout, gain application pour moi-même avec vous, captant deuxième retour de Jésus. Non, mais ça, notez ça, prophète là écrit dans Amos, chapitre 4, versets 12 et 13. Elle dit: C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Car voici, celui qui a formé les montagnes et créé le vent, et qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre, son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. C'est qui Dieu, prophète l'a dit, peuple a pral rencontré? L'idiot, il a pral rencontré Dieu qui formait montagnes, Dieu qui créait vent cap venté. Il a pral rencontré Dieu qui quitter sa pensée dans le livre ça, yo by non la Bible. Peuple a rencontré Dieu qui créait saison, yo printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Yo pral rencontré Dieu qui dans le ciel, là, yo by non l'éternel Dieu des armées. Wow! Est-ce que peuple Israël t'est préparé yo vraiment pour yo rencontrer Jésus? L'élite est venue pour la première fois sur terre. Est-ce que vous te connaissez, un Dieu comme ça, qui a bâché, parlé, mangé, dans le temps? Vous êtes capable de dire la réponse là, c'est non. Peuple n'a pas préparé pour rencontrer Dieu qui t'a sauvé ration dans le pays d'Égypte. Dieu qui t'a baillé, mangé la manne dans le désert Sinaï pendant 40 ans. Dieu qui t'a couvert avec un nuage pendant la journée pour que le soleil n'a pas brûlé. Dieu, quand vous avez soif, faites de l'eau sortir dans une roche pour être capable de boire. Dieu, par puissance, te fait entrer dans le canard céleste. Il te promet la baillot comme héritage. Peuple Israël, pas du tout préparé pour recevoir Dieu sauveur. De Bladine dans Jean chapitre 1, versets 10 à 11. Elle était venue dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Ça, c'est parole qui est vraiment triste. Dieu créateur, il a passé 33 ans et demi avec eux sur terre. Hein? Et la majorité du peuple Israël ne reconnaît pas ça. Il manquait une grande opportunité pour te connaître, bon Dieu, chanter louange, la gloire et honneur, les mériter. Chers auditeurs, Dieu quittait pour nous la Bible en leçon spirituelle pour que nous ne pas rater les Christ à venir chercher nous sous terre. Jour la retourner, c'est un jour nous reconnaître qui est très près de nous et qui demande même préparation. Nous sortir lire au peuple Israël, tu as besoin de suivre dans l'Ancien Testament. L'ayant même, tu as rencontré Dieu sur montagne de Sinaï. Ces préparations, ça y est, qui pourra aider nous à traverser le temps difficile qui devant nous, Bible bain, non tant de détresse ou encore la grande tribulation. C'est un jour mauvais, ça y est, pas de grâce là, pour lui fermer. Peuple bon Dieu, pendant un petit temps, pour aller vivre sous terre sans avocat ou sans intercession de Jésus. Laissant la terre complètement possédée avec esprit, démon, la sous contrôle, Satan, diablant. Et objectif, c'est pour lui tenter et essayer de détruire autant petit bon Dieu que possible. S'il vous plaît, ça que Dieu a révélé sur moi, dans une vision, sur question de préparation pour tant difficile, ça y est, peuple de Dieu pourra le traverser. Il dit,
J'ai vu que bien des personnes ne se rendent pas compte de ce qu'elles doivent être afin de pouvoir subsister devant le Seigneur sans souverain sacrificateur dans le sanctuaire pendant le temps de trouble. Ceux qui reçoivent le sceau du Dieu vivant et qui seront protégés pendant ce temps de détresse doivent refléter pleinement l'image de Jésus. Leur robe devra être immaculée et leur caractère purifié de toute souillure par le sang de l'aspersion, par la grâce de Dieu et par des efforts persévérants. Ils devront être vainqueurs dans leur guerre contre le mal. Pendant que le jugement s'instruit dans le ciel et que les fautes des croyants repentants s'effacent des registres célestes, il doit y avoir une œuvre spéciale de purification. Le peuple de Dieu sur la terre doit renoncer définitivement au péché. J'ai vu que beaucoup négligeaient la préparation nécessaire. Ils comptaient sur le temps du rafraîchissement et la pluie de l'arrière-saison pour pouvoir subsister au jour du Seigneur et vivre en sa présence. Oh, combien j'en ai vu qui étaient sans abri au temps de détresse. Ils avaient négligé de se préparer. C'est pourquoi ils ne pouvaient recevoir le rafraîchissement que tous doivent recevoir pour pouvoir vivre à la vue d'un Dieu saint. Chers auditeurs, on avait vraiment un ayant temps favorable. Nous parlons faire aucune négligence qui révélait notre texte pour porter nos perdus et vie éternelle, nous. Hélène attire attention, nous, le jugement qu'a fait dans le ciel-là, qui moment opportun pour peuple bon Dieu purifié, laver péché, yo, dans sang Jésus. C'est vraiment un temps exceptionnel pour nous chercher sanctification dans Jésus, qu'a porté Dieu déversé sur nous l'appui de l'arrière-saison. Reconnaître tant merveilleux ça, n'a traversé qu'on est là, côté Jésus, à défendre cause nous devant Dieu dans le ciel, là, c'est un clé majeur pour nous arriver à comprendre ce qui est nécessaire pour nous chercher à développer une relation intime avec Dieu. Développer une relation, ça a demandé nous reconnaître nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit qu'il a avec nous chaque jour. Yo remet nous et yo prêt pour aider nous dans tout ça n'a fait dans le monde là. Pour nous terminer sur point ça, témoin, ben nous, yon le témoignage. Yon mois de ça, yon dimanche vers 10 h du matin, on sorti de yon pour couper gazon qui devant et derrière kala. Zeb yon était très haut. Quand moi gade dans le ciel, là, moi tant pareil, tout noir pour la pluie tomber. C'est comme ça, moi fais un coup de prière ça avec Dieu Créateur, moi, non, non, Jésus, moi dis-lui, mon Dieu, s'il vous plaît, qu'est-ce la prière pour moi, pour que moi capable couper ce bio. Et puis après ça, moi start machine qui pour couper gazon, hein, par la foi, moi commence ce travail. Moi, dis-nous, frères et sœurs, moi, fait 1 heure de temps et demi à couper gazon. Qu'il a nous pensé la pluie commence à tomber. Eh bien, c'est immédiatement, moi, couper dernier coup zébio qui était dans la coucaille là. Les moi, ouais, ça, moi, dit, béni soit l'Éternel, gloire à Jésus, merci Seigneur, dès que répondre à prière, moi. Quand moi entrer dans cala, moi courir elle dit madame moi ça, le Seigneur fait pour moi. Magui lève mes liens là et puis il dit tout béni soit l'Éternel. Témoin dis-nous, si moi raconter nous merveille ça, c'est parce que moi voulais nous comprendre. Dieu n'a servi, il est là toujours
avec nous. Moi raconter merveille ça yo à employé qui dans travail moi. Moi raconter ça Dieu fait pour moi à ceux qui dans l'église moi. Et je dis à nous gain toute opportunité pour nous tendre même témoignage ça sous vue prophétique de la Bible. Très souvent nous tendre histoire Moïse qui ouvrit la mer rouge. Josué qui restait soleil. Élie prier et du feu sorti dans ciel là. Il brûlait holocauste là. Eh bien, histoire par moi, c'est que moi prier pour bon Dieu qu'aimer la prière pour ne pas tomber pour un petit temps et Dieu répond prière moi. C'est Dieu, mes amis, qui est là chaque jour, bon côté nous. C'est Dieu ça qui besoin nous développer une relation d'amour avec lui. Yon relation côté nous mettez foi nous dans lui, dans parole li, dans promesse li qui était pour nous. C'est grand Dieu tout puissant ça nous pour rencontrer, jour li vini chercher nous sur terre. Est-ce que nous prêts pour nous rencontrer Jésus dans gloire li? Est-ce que ou ta aimé ouais Dieu créateur ou Seigneur ou sauveur? Est-ce que désir cœur c'est pour vivre avec Dieu pour l'éternité dans un monde meilleur? Côté pape gagne maladie, ni souffrance, ni la mort. Eh bien, si toute question ça y est, c'est oui. Préparation pour rencontrer notre Dieu Tout-Puissant, même des temps pour nous apprendre qu'on est bon Dieu. Temps pour nous apprendre tant de voix bon Dieu. Temps pour nous tomber amoureux de Dieu. Temps pour nous expérimenter amour bon Dieu gagne pour nous. Et temps pour nous apprendre à obéir à tout ça Dieu dit pour nous faire, pour que nous capables gagner la vie et la vie en abondance. Que bon Dieu bénisse nous. Moi, j'espère rencontrer nous pour une autre émission Vue prophétique de la Bible.